T'en penses quoi de mon skin? Il est moche. Comment ça, il est moche? C'est mon plus beau skin qui fait peur. Regarde-y. Il est magnifique, mon skin, en vrai. Code Elric dans la boutique. What? On est où, là? Vas-y, du coup, c'est quoi l'histoire de cette map un peu BG, là? Dis-moi tout, dis-moi tout. Elisa est une petite fille qui a grandi et qui n'a pas pu grandir en fait comme elle voulait. Ses parents sont morts et elle a été enfermée dans une maison. Elle a jamais réussi à trouver sortie et c'est devenu une démon. Et tu dois essayer de la retrouver sans te faire tuer. Et là t'es rentré dedans et là tu vas essayer d'en sortir. Attends, je suis rentré dans Elisa là? J'ai pas compris. Comment ça, je suis rentré dans quoi là? Non, pas dans Elisa, rentré dans la maison. Ok. Et tu t'es perdu. Et le but c'est de sortir de la maison sans faire attraper par Elisa du coup. Exactement. Oh, je suis où trop fort. Trouver Elisa. Allez, c'est parti. What? Putain, ça t'est fait directement. Et du coup, faut faire quoi là? Okay. Là, t'as juste marché, marche. Ah, faut marcher là? Ok. Allez, vas-y, marche. Ah! Ah! Ah, il y a une fenêtre. T'inquiète, Oh putain, mec. Mais je suppose qu'il faut que j'aille à la porte là. Moi j'aime pas, hein. Voilà. Surtout dans un film d'horreur, les amis. Il faut jamais regarder derrière soi, normalement. Hein. Ok. On rentre dans une première salle du regarde coup. Regarde derrière toi. Non, comment ça, regarde derrière moi. Regarde, j'ai la petite queue qui frétille. Regarde, j'ai la petite queue qui tremble. Attends, non. T'es sûr, faut que je regarde derrière moi maintenant. Oui. D'un coup. Mais y'a rien, frère. Mais y'a rien! Mais mec! Ok, vas-y, marche, continue. Attends, faut que je fous la maison, non, je suppose. Pourquoi y'a des chiens? Mais la petite fille, elle avait des chiens. Pourquoi y'a un. C'est quoi ce tableau? Il fait trop peur déjà. T'inquiète, c'est un comète. Ah, je suis sûr, y'a un truc qui va apparaître là à droite là. Ah putain! Attends, mais j'ai peur à chaque salle. Mais ok. C'est bon, et je me promène de façon. Normal. Essaye d'ouvrir la porte. Cette porte là? Essaye d'ouvrir la porte. Ah bah non, c'est verrouillé. Okay, quel dommage. Oh mince, je ne peux pas sortir de la maison. Elisa. Youhou. Elisa the demon. Ah mais là c'est un cul-de-sac là. Oh non. Pas jusqu'à cul-de-sac. Non, je sais ce que ça veut dire. Je vais me retourner et il y aura Elisa, non? Ah. Oh le cul-de-sac, dis bonjour. Ok. Bonjour le cul. À toi. Oh mince, je suis coincé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir les gars. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde. Non. Comment ça non? J'ai fait comme ça. Mais j'aime pas mec. Frère, j'aime pas. C'est Fortnite. Attends regarde, hop la technique. Hop, elle est technique celle-là. Non, tu t'y attendais pas celle-là. Je vais retourner toi, ça va pas être drôle. Attends, j'ai entendu un bruit. Dommage. Mais arrête de tout rire, il me fait plus peur que le jeu. C'est bon, y'a rien, t'inquiète, vas-y, avance. Elisa! Ah putain! Pute! Ok. Elric, il est déjà un petit fort. Ça va, Elric? Il est fini le jeu là? Non. Quoi? Wow. Bon, plus de... Oh, j'étais pas prêt! Attends, faut que je retourne où l'été là? Oui. Vas-y. Ah. Gars, j'ai la petite queue qui frétille tellement j'ai peur. Non, c'est pas vrai. Non, mais elle est encore là, elle, hein? Essaye d'ouvrir la porte cette fois-ci, peut-être qu'elle est. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Ah non, elle a encore verrouillé la porte. Oh mince. Faut peut-être que je trouve les clés, non? Un truc comme ça, non? Mais elles sont où les clés? Elles étaient pas dans l'étagère là-bas? Avance par là? Si, oui. Bien sûr. Vas-y, n'aie pas peur. Mais mec, n'aie pas peur! J'entends des bruits de pas! Frère! Prends ton courage à deux mains. Non, mais là, mec, mon cœur là, je suis à 300 BPM là. Hein. Allez, Elric. Fais autre. Ouh! Y'a une Elle porte qui s'ouvre. Non, mais je vais pas aller là. Ok. Oh, mais y'a la lumière! Elisa,
wants to meet you. Not me, sorry. Goodbye. Non, mais je vais pas la rencontrer. C'est qui elle? Je la connais pas. C'est bon. Mais si, mais si. Mais moi j'aime bien qu'il y ait de la lumière, généralement ça, c'est bon signe. Ah, il y a une clé là-bas. Où ça, il y a une clé? Ah oui, là-bas, sur le plan de travail. Ah. Ouais, c'est de la prendre. Take the key. Okay, pick up. C'est toi Crypto là? Ah ouais, ils t'ont représenté sur une boîte de lait. Mais je vais te tuer. C'est pas moi. C'est ton papa. Quand il est parti chercher du lait, du coup. Ah ouais, et ouais, c'est trop bien ce gars, il y a une piste de danse et tout. Attends, regarde, hop là. Avec Elisa. T'évites un petit peu la rencontre avec Elisa. Ouais, mais bon, vas-y, ça va trop vite entre nous là. Elisa. Donc là, j'ai ouvert une porte qui était fermée de l'intérieur pour au final retourner où j'étais avant. Il faut aller où après? Bah, tu continues. Non, mais j'ai pas envie de continuer, j'ai pas envie de passer la porte. Mais elle était là tout à l'heure, elle était juste à gauche. Bah, peut-être qu'elle y est plus, vas-y. Il faut aller où, à gauche ou à droite? Ou tout droit du coup là? À ton avis? Tout droit. Tout droit? Ok. Ouais, tout droit. Ok, Lisa. Je ne veux pas te rencontrer. Ah oui, il y avait une porte aussi là-bas. Ah, c'était cette porte là! Ouais. Ah, ok. Donc là, on arrive dans une nouvelle salle. Ah, ok. Enfin, une nouvelle pièce, c'est vert. Ok, c'est déjà beaucoup plus lugubre que la cuisine. Ok, ouais. Fait qu'il y a peut-être qu'elle t'attend sur un oreiller. Oh, Elisa! Elisa, s'il te plaît, ne me fais pas du sale. Ah, encore une autre pièce! Allez. Attends, mais c'était pas là où j'étais. Ouais, mais je suis perdu, c'est un labyrinthe là. Oui, c'est un labyrinthe. C'est. Oh, waouh! Non, Elisa! Elisa, on va pas être copains là! Non. Continue à avancer, vas-y. Elise. Mais. Allez, rentre dedans. Rentre devant. Mais non, mais j'étais dans. Hein? Mais c'est là où je suis rentré et du coup, je suis. Ah, j'aime pas cet endroit! Continue tout droit. Ouvrir? Mais wesh! Mais c'est un vrai labyrinthe, c'est les bacs. Mais pourquoi je suis retourné dans la cuisine? Oh, vas-y. Oh! Il s'est passé quoi là? Mais non, mais faut pas faire ça, Elisa! Alors, c'est un peu le but. Oula! Le couloir, il est sans fin. Non, va tout droit. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas de fin. Ah, si. Ok. T'inquiète. Mais à chaque tournant, j'ai peur, frère. Ah, ok, une nouvelle porte. Avec un nouveau couloir. Mais non, mais oh! Tu fais quoi? Oh, j'ai entendu. Oh, elle a fermé la porte encore. Ouais. Ok, là c'est tout droit. Ok. Et moi j'aime bien parce que j'ai une petite lumière et tout. Ça, c'est cool ça. Ouais. Du coup, je vois bien. Oui. Tu as. Il se passe quoi là? Pourquoi je vais plus bouger? T'inquiète. Ah non, non. Arrête. Arrête. Non, non, ouais. Je vais. Ah la pute. Bon, GG, elle t'a bouffé. Putain, mec, mon cœur il bat à 100 à l'heure. Oh là là. Putain, ouais. Merci en tout cas pour la découverte. Je connaissais pas trop en vrai les maps horreurs. On m'avait dit que ça existait, tu vois, sur Fortnite. Mais je connaissais pas trop et tout. Et je savais pas à quel point ça pouvait faire peur. Et en vrai, premier degré, mec, je suis tout tendu là. Vraiment. Genre, comment on quitte? Pourquoi je peux pas quitter? What? Elle t'a attrapé pour toujours. Je peux plus jamais sortir. Je pense pour te libérer, il faut que les gens s'abonnent et qu'ils likent. Ouais, du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sinon, il devra rester à vie ici, le pauvre. Sinon, je vais être coincé toute ma vie sur Fortnite dans cette map très très étrange. J'espère qu'il fera pas d'autres maps, le mec, du coup. Bah, du coup, bisous tout le monde, à très bientôt ou pas, hein, pour de nouvelles aventures. Ciao, bisous.